EA Sports. Big. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Shox, et ne pas confondre Geox, hein, qui est une marque de chaussures. Ouais, ça pourrait être pas mal d'ailleurs d'avoir un jeu de course à pied, où on pourrait customiser ses chaussures, son personnage et tout. Non, là il s'agit vraiment d'un jeu de rallye, qui d'ailleurs utilise le même moteur graphique que celui de SSX. En même temps, c'était déguisé par EA. On va faire sans autosave. Je découvre le jeu en même temps que vous, concrètement. C'est la première fois que je lance le menu, même. Donc, on va découvrir ce jeu qui est sorti, justement, dans les mêmes heures que l'ancien. Juste faire une petite modification, bien sûr. Voilà. Alors, du coup, on a votre single player, multijoueur et options. Oh, les options, tiens. Langage select. Bon, on va mettre français. Oh, on a même en finnois, tiens. Au niveau de l'affichage, on a une jauge. Caméra saut avec, caméra accident avec, ATH normal. On va se mettre en partage en mode vertical ou horizontal. On va mettre en 16/9. Non, on va laisser par défaut, tiens. Au niveau des commandes, alors attribution, mais configuration joueur 1. On va voir la configuration. Donc la direction avec le pad, gauche, droite. Accélérer, freiner. Oula, c'est avec le joystick. Caméra, freiner, accélérer. Ah non, il y a les deux. Ok, donc c'est un peu au choix. R1, frein à main. Bon. R du classique. Et effet, c'est quoi? C'est le. À la vibration, partielle avec. On va être avec, hein. Pas embêter. Par retour. Donc c'est parti, on a un générique et le son, mix course, musique, on peut descendre un tout petit peu peut-être la musique, bon je sais pas trop, on va faire ok, et on va aller en mode solo, salut Yann. You gotta beat the rest to race the best, and I'm talking about me. Donc c'est un jeu qui m'a l'air totalement arcade. Je pense que c'est un peu ce qui est prévu dans son jeu. Alors, on a droit à une 106 GTI 2000, pardon, oui, si je fais pas comme d'habitude, c'est que je suis en train de tousser. Avec donc la direction, la vitesse, stabilité en caractéristique principale. On a quoi d'autre? On a une Racing Puma, qui d'ailleurs utilise un petit peu les mêmes couleurs que le Team Ford BTCC en 2000 et en 99. On a la Saxo Super 1600 qui a une meilleure direction que les autres. Celle-là par exemple c'est 911 SC Safari. J'allais dire avec les logos de Martini, ouais c'est les couleurs de Martini. Avec la direction vitesse plus de stabilité apparemment, un peu moins de direction. Une Mini Cooper, l'ancienne Mini Cooper. Souhaitée par Castrol cette fois-ci, avec une très très bonne direction. Donc sur Nice c'est la voiture la plus facile à manier. Par contre elle a une vitesse assez faible. On a l'Escort RS 1800 MK2. C'est des choix assez différents, hein, entre les voitures. Direction, vitesse, stabilité, ça c'est totalement moyen, donc ok. Bon, on a la 106. Je sais pas par quoi on pourrait commencer, tiens, d'ailleurs. J'ai bien envie de penser avec des modèles qu'on n'a pas trop fait. Écoutez, on va peut-être tenter pour commencer l'Escort MK2. Elle a l'air d'être assez homogène.
Alors l'autre, c'est parti. Oh bah c'est parfait. Voilà, ça rentre bien sur la plaque. Alors, donc on a plusieurs modes. Apparemment le mode compact, le mode sport, le mode turbo, le mode puissance, le mode shox. Alors le mode compact. Donc on a une voiture sur 6, niveau 1 sur 6, position moyenne, on ne sait pas parce qu'on n'a pas commencé. Et on a de l'argent en banque en bas, 0$. Donc on a plusieurs niveaux, mais je ne peux pas les faire, hein. Je pense que je peux commencer que par le tout premier. Donc le tunnel vision, voiture de platine, meilleur, ok. Miser, acheter une voiture, ah on peut acheter des bagnoles avec l'argent, ok. Bah écoutez c'est parti, on va découvrir ce jeu. Là ça va être bizarre d'avoir des graphismes d'SSX en jeu de bagnole. Terminer 5ème ou mieux pour débloquer une nouvelle course. Go. Oula, des effets de lumière de l'espace, hein. Ils sont fait plaisir. Alors le maniement, on va un petit peu découvrir ça ensemble. Bon, ça tourne assez vite. Il y a une certaine... Oh, on a le droit à une petite caméra saut. Ça ne sert à rien, mais c'est plutôt fun, ouais, c'est plutôt fun. Par contre j'espère qu'il n'y en a pas à chaque saut, enfin en tous les sauts, parce que ça risque d'être assez... assez ridicule quand même à terme. Alors, de ce que j'ai compris dans le jeu, il y a des mini-portions. Voilà, c'est cette partie par exemple là. Si je fais la portion de manière très rapide, voilà, j'ai une médaille d'or qui fait gagner de l'argent. Si je fais la portion d'une manière un peu plus lente, j'aurai par exemple le bronze ou j'aurai l'argent. Et du coup, plus j'aurai une bonne médaille, plus je récupère des sous. Si la voiture tape le décor, je perds de l'argent. Oh là là, mais quel saut magnifique en dévers en plus. Et l'argent se cumule pendant la course, ce qui fait quand même faire attention de ne pas trop se planter. Oh là là, vous ressentez ce fun intense d'avoir quelqu'un qui nous dit ce qu'on fait comme performance à chaque fois. On a eu l'or, je crois. Alors je vais voir si j'ai d'autres vues. Ok, on a une vue embarquée, enfin vue de ras du sol. On a une vue capot, ah, c'est pas mal. On n'a pas de vue cockpit, hein, ça me paraît logique pour un jeu totalement arcade. Le maniement est plutôt plutôt sympa, plutôt facile. Quand on commence à avoir l'habitude, on peut même un petit peu doser nos dérapages. C'est pas mal. Bon, le circuit est très court. On a déjà fait 3 fois le tour, je crois. Ah, on a eu l'argent cette fois-ci, pourtant je pensais que je vais bien passer cette zone. Oh, c'est même fait redépasser, incroyable. Je pensais que j'étais en tête et ça n'a pas duré longtemps. Et on a même les salissures sur les voitures. Donc, nouveau circuit débloqué. Élevé au niveau argent, résultat de la course premier, donc on gagne encore des sous. J'espère que le jeu est pas trop fort. On entend bien parce que c'est vrai que c'est assez, assez élevé au niveau du son. De mon côté. Gain de course 18 000, zone shox, onde de shox. Bon, dégâts, j'ai perdu 540, voilà. J'ai fait 17 570 dollars de crédit. Alors, je sais pas si c'est fait un effet visuel sur le screenshot, je crois qu'il y avait de l'eau. J'essaie de comprendre ce qu'elle dit, j'ai pas réussi. Alors, deuxième niveau avec la Bayroid Mini Cooper apparemment à débloquer, j'ai l'impression. Je sais pas ce que c'est la voiture sur le côté. Changer de voiture, attendez. Bien pour l'instant, je veux pas changer de voiture. J'ai que ça dans le garage. Et miser, acheter une voiture. Il faut avoir 20 000 crédits pour acheter une bagnole, 100 000 pour acheter une voiture de niveau sport, 250 000 pour acheter une voiture au niveau turbo, 1 million pour la version puissance, dont il n'y est pas encore.
Et du coup, on va tenter la deuxième deuxième épreuve. Bon, cinquième, ça m'a l'air assez faisable hein, quand même. C'est les premières courses. Ouais, l'effet du soleil, c'est de l'abus complet. Ah, on a des petites traces sur le sol. Petit détail toujours. Donc ça va. Par contre, est-ce qu'elles vont rester au prochain tour, passer à autre chose? On se souvient de l'excellent Sega Rally. Bon, j'appelle Sega Rally 2006 en fait, mais bon, enfin, le Sega Rally sur PC, PlayStation 3. Je crois que c'est sur Xbox aussi. 360. C'est vraiment le. C'était vraiment le point fort du jeu, c'est le fait de laisser des traces à chaque tour. Et évidemment, quand on fait un deuxième, troisième tour, bah le. Bah, la piste s'en voit un petit peu modifiée à cause des traces. Là, je suis à fond. Je suis à fond, mais c'est pas facile hein, de les traiter à leur vitesse. Il est juste à mort. Alors les revêtements ont vraiment leur importance aussi. Quand je suis un petit peu trop à l'extérieur du virage, bah j'ai aucun grip. Quand on est sur la piste, bah, on en a beaucoup plus. Waouh, le saut magnifique, regardez-moi ça. Eh, on s'y croit, rien. Imagine s'ils avaient fait ça dans SS6. Par contre, ça aurait été ignoble. Allez, premier tour effectué. Attention, petite touchette, 25$. Alors par contre, on a des touchettes qui ne font pas de l'argent, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des dommages visuels en tout cas, pas forcément physiques, je pense qu'il n'y en a pas, mais visuels, ça aurait été marrant. Effectivement, il y a un peu d'eau, puisqu'on est sur une île. Par contre, les traces ne sont pas conservées entre les tours. En même temps, il y a très peu d'imprégnation de l'empreinte dans le sol, hein. Ça crée pas de léger dénivelé, de trous. Ah, j'ai failli avoir l'or, mais là je suis resté à l'argent. Ah, les unshocks. Ah, c'était ici. Oh là la vache! J'ai glissé complètement. Parce que j'ai sauté par-dessus la forte puma. J'ai l'impression. Si ? Ah non, je t'écoute. Ah si, on s'est touché. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'on s'était pas touché dans le mode dans le replay, mais bon. Bon, tour final, il va falloir sortir de là et on va essayer de terminer au moins une bonne position. Ouais, un hélicoptère qui nous suit. Tout à l'heure c'était un parapente qui descendait. Furtivement vu dans les poissons de circuit. Alors j'ai la tendance à accélérer tout le temps, mais je peux légèrement ralentir pour mieux prendre mon virage. Ce que j'aurais pu se faire, je pense, parce que là je perds beaucoup de temps. Oh yeah! Alors j'ai pas encore parlé trop des musiques. Bon, bah elles sont dans le thème hein, d'un truc un peu. Fun pour un quoi. Voilà, je pense que je vais mal finir. Troisième. Ils sont super rapides devant par contre. Hein. Oh la vache. Vous avez vu, on a eu le saut, mais on l'a eu qu'une fois. Bon, deuxième, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. J'ai pas été forcément très bon, mais ça a suffi. Nouveau record dans Unshocks, élevé au niveau argent, ok. Donc deuxième. On fait gagner 6000. Et les Unshocks, on a 6859. Donc ça nous fait 12000, moins 487 de dégâts. Ce qui fait qu'on gagne quand même pas mal d'argent. 5 nouvelles voitures à mettre en jeu dans Compact. Misez de l'argent contre la voiture que vous voulez gagner. Pas tel en duel pour la remporter. Sacré Covid. Alors, troisième course.
Pour l'instant, je vais pas parer le bagnole. On va continuer. On va essayer de faire niveau 3. La série slope, fausseur de platine, saxo super. Ah, mais là, ça a l'air vraiment d'un truc dans l'eau. On va voir tous les univers, hein, peut-être, dans ce jeu. Alors, est-ce que c'est un jeu qui se vaut par rapport à un SSX en termes de... En termes de plaisir, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est vite... vite ennuyeux, en fait. Par rapport à un jeu de... Un jeu snowboard. Mais il y a un effort fait quand même sur les décors. Pas forcément le circuit en tant que tel, mais au niveau des décors autour. Regardez, il y a quand même pas mal d'effets, hein, mine de rien. C'est quand même assez réussi. Alors, je m'attendais à un truc dans l'eau, on se retrouve dans un truc de la neige. Bon. Bah, pourquoi pas, hein. Baroumnich, hein, comme on dit en Algérie. Alors. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, ça ne sert à rien, mais c'est pour ça qu'on aime ça. Bon, le problème, c'est que là, quand je prends un saut, que je retombe à côté d'une bagnole, elle me ralentit copieusement. Je pense que quand on réussit sur le même tour 3 zones d'argent, on valide l'argent sur un tour, justement. Si je réussissais un tour complet en or. Voilà, là j'ai validé la partie argent sur le côté. Allez, on est en tête. C'est marrant, c'est que j'ai pas fait attention en bas à gauche. On a le... On voit les petits points qui tournent autour. Un point jaune et deux points, trois, quatre, trois points blancs. Et c'est la position des IA par rapport à nous. Petit détail. On a eu l'or, celui-là. Par un poil de vitesse quand on est à l'extérieur du mirror. Final round! Fight! J'ai ralenti pour une fois. J'ai pas touché. Il y en a quand même que l'argent. Oula, je suis complètement raté. Oh, pas mal lui aussi. Écoute, tant mieux pour moi. On a encore validé l'argent. Mais ouais, j'ai pas réussi à améliorer mes autres secteurs. Ouais, il a dit awesome, hein, il a pas dit argent. Ah non, il vient de dépasser au dernier moment. C'était une blague. C'est une blague. Bon, tant pis. Deuxième. Et les IA qui tiennent quand même pas mal, hein. Les endroits sont beaucoup plus rapides que nous. Ah si, il y a les dégâts, regardez, sur le côté. J'ai cassé un petit peu la partie gauche. Donc, il y a des dégâts visuels dans le jeu. Ok, 7600 zone shocks, plus gain de course 6000. Bon replay. Et on a débloqué le quatrième niveau, normalement. On va voir si on peut finir la zone compacte, au moins pour essayer la zone au-dessus. Donc la prochaine zone c'est... circuit platine, c'est la 911 SC Safari. Et bah c'est parti. Parti. Alors ce jeu n'a pas vraiment, enfin, je trouve, hein, pour le moment, pas trop de défauts. Enfin en tout cas, techniquement parlant, bah, tout se passe bien quoi. Le maniement est correct, les graphiques sont corrects. Le son... Les musiques. Il y a vraiment rien à dire. Oh, j'ai fait un super départ. C'est ça qu'on peut faire un super départ dans le jeu. Ok. C'est bon à savoir ça.
Alors quand je tape les voitures, je ne prends pas de, pénalité argent. C'est vraiment quand je tape le décor. Allez, je tape un petit peu. Oh, j'ai l'or. Magnificent. Incredible. Alors par contre là, je n'ai fait que taper tous les décors qu'il y avait autour de moi. J'ai tapé tous les murs. C'était magnifique. Encore un énorme grand moment. Je vais attraper par la 106. Ah, j'ai fait n'importe quoi là. Ok, on est dans une arène. Alors, je sais pas si on a un game over si par exemple on loupe une, section en temps, en termes de temps. On a déjà fait un premier tour. Bon alors, par contre le premier secteur j'y arrive bien, hein. Aucun problème. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une musique par contre, j'en ai pas entendu d'autres depuis tout à l'heure. La musique met un peu la pression quand même. Hein. Par contre là je suis à fond, hein, vraiment. Hein. Je me fais quand même, rattraper par, les IA. Alors ça j'aurais peut-être pu prendre une voiture. Aïe. Qui est un peu plus, rapide. Avoir un peu moins de, maniement. Alors celui-là, l'or, je l'ai tout le temps. Vache, à chaque fois, aucun problème. Voilà, là je vais faire dépasser, vous allez voir au dernier moment par le premier, par le deuxième. Ah, je le sens arriver, vous allez voir. D'être pas loin derrière. Oh, on s'est tapé. Ah non, on a gagné. Pas mal. On s'est bien sorti. On a eu un petit excellent. L'avantage, c'est qu'on a gagné un peu plus d'argent en terminant premier. Donc du coup, 10 000. Zunshock, 7 000 d'argent. Pas 1700 dégâts, parce que j'ai quand même beaucoup tapé la voiture. 16 000. Et en banque, on est à 57 000. Plutôt pas mal. Mais je crois qu'il faut 100 000 hein, pour pouvoir... avoir une voiture achetable dans le deuxième niveau. 5 sur 6, 6 sur 6. Bah écoutez, on va tenter les deux dernières. Oula, là on est en mode temple, puis circuit de golf. C'est magnifique.
Par contre, vous avez vu, je suis tombé encore une fois sur l'IA, et comme je suis tombé sur l'IA, j'ai tout perdu. Elle a un petit peu la célérité, j'ai l'impression, dans ce genre de choc. Mais c'est vraiment un jeu qui fait penser à Sega Rally, enfin Sega Rally dernier. Ça fait vraiment penser à ça. Bon, ça fait un peu Sega Rally au rabais d'une certaine manière en termes de graphisme, mais le jeu est quand même sorti bien avant le 2006. Oh, j'ai eu l'or sur celui-là. Ok. Alors je suis complètement loupé par contre pour la suite. Oh yeah! C'est certain, c'est pas ici que je vais avoir la zone en or. Bon, je sais que je suis un peu tranquille, je suis tout seul. Il faut quand même avoir pas mal de précision et pas mal de réflexes dans ce jeu parce qu'il y a quand même des virages qui se suivent assez rapidement. Le jeu est pas facile non plus. Hein. Faut vraiment pas se planter, presque quasiment pas se planter en fait hein, pour réussir à gagner. Et là on est qu'en mode facile, enfin en mode facile, on est au début du jeu. L'avantage c'est qu'avec l'argent que j'ai. Avec l'or, ça me remboursera un petit peu le. Oula. Ça me remboursera un petit peu les dégâts. Par contre, vous avez vu, dès qu'on est sur une partie bitumée, le grip revient instantanément et du coup, c'est assez difficile à gérer. Ouais, je suis en tête. Est-ce que je vais pouvoir le tenir jusqu'au dernier virage? Alors, si j'appuie sur croix. À nouveau, hein, quand il y a le replay, ça annule le replay. On n'est pas obligé de se taper le replay en entier. Et comme vous avez pu le voir, on peut le désactiver aussi dans le menu. Ouais, je vais me taire un petit peu pour ce dernier tour. Et c'est bon, on a réussi à gagner. J'ai souvent une zone or et deux zones grises, mais j'arrive jamais à avoir les trois or. Demi, ouais, par contre j'ai eu beaucoup de dégâts, je perds 2000 crédits. Et on est quasiment aux 100 000. Allez, dernière course. De platine, d'or et de platine, comme dirait un certain Jules. Ça m'étonnerait pas qu'on ait une portion dans la neige en descente sur SSX, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Terminé premier partout pour remporter le championnat compact. Attendez, terminé premier partout là? C'est une blague? Voilà, en plus on a du. Comment dire? Oui. On avait du soleil plein la tronche. Oh là, n'importe quoi. Terminer par tout premier, ça veut dire qu'il faut que je termine
Donc je regagne deux courses où j'ai fini second. Bon, pas forcément là, mais... Regardez, ça glisse d'un coup. Et plus le choc est élevé, bien sûr, plus l'argent perdu est énorme. Oh, par contre, ça... Ouais, ça... Là, il n'y a aucun grip, hein. On a beau être sur du bitume, ça a glissé d'un coup. Là, j'ai un peu squeezé. Oh la vache! L'accident! Et effectivement, je voulais le dire tout à l'heure, mais même quand on a un accident, il... Oh, j'ai toute la roue en or. Incroyable. Je sais pas ce que ça va changer, mais... Au moins, toute la roue en or. Oh, j'ai perdu tellement de temps. Je crois que je remonte tout ça. On a un train au-dessus. Quelques montgolfières. Niveau dégâts de... J'en prends énormément. Je pense que j'ai dû perdre au moins... déjà 2000 crédits en dommages sur la voiture. C'est pas grave, on a une zone full or, c'est quand même assez énorme. Allez, dernier tour. Ouais, là par exemple j'ai du grip quand je tourne, mais à deux endroits j'en ai pas du tout. Onde de chocs imminente. Oh, what the hell is that? C'est énorme, mais c'est quoi ce truc? Que c'était ce truc, on s'est fait suivre par une bulle, la bulle est devant nous. Mais c'est génial, en plus l'effet est magnifique. L'effet est incroyable. J'ai l'impression que je gagne de l'argent en plus quand je vais dedans. Oh là là, mais regardez, mais qu'est-ce que c'est que ce délire. Ah, j'ai pas compris ce que c'était cette onde de choc, mais j'ai l'impression que quand j'allais dedans, j'accélère un tout petit peu et en plus je gagnais de l'argent. Trophée compact gagné. Ah, elle me dit j'ai gagné quand même. Ok. Waouh, j'ai énormément d'argent là, un bonus de réussite. Circuit de nuit disponible, tous les paris complets. Oula, il y a pas mal de... Ouais, il y a pas mal de trucs qui ont été débloqués là. Oh là, c'est le bordel. Il y a trop de trucs. Gain de course, bon, 10 000. Ok, zone choc 6 000, onde de choc 6 400. C'était assez impressionnant l'effet qu'on a eu avec l'onde de choc là. C'était pas mal, hein. Le coup de la bulle là qui nous enferme dans un truc, c'était. Waouh, ça prend pas que je vois ça. Bon, les dégâts, on prend un peu. Ah, par contre, en manque, je me suis fait plaisir. 195 000, nouvelle voiture à mettre en jeu dans sport. Alors, attendez, on va faire un peu le tour. You're gonna have to prove you're better than that before I'll take you seriously. Ok. Donc là, on a débloqué la deuxième zone. Ce sera la deuxième zone, hein, mais bon, c'est le deuxième niveau, quoi. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Ah, regardez, quand j'appuie sur carré... Je peux mettre jour-nuit, c'est-à-dire que je peux carrément, en tout cas pour celle-là, je peux débloquer le mode nuit. Ok. On va faire retour. Vous avez besoin d'une voiture sport pour participer au championnat sport. Donc du coup, je vais faire continuer.
Ouais, donc en fait, il faut que j'aille dans miser, acheter une voiture. On va dans le mode sport, enfin c'est 250 000, voilà. Mise 110 000. Et acheter c'est 450. Ah d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Alors, on a toutes ces voitures. Kane Turbo, elle vaut 110 000. D'accord, 120 000 pour la Stratos. Il y a une Stratos, c'est quand même excellent. On a la CIK GT4 aussi, c'est magnifique. 115 000. On a la Ford RS Cosworth. En plus, dans cette version 97, 105 000. On a la Delta Intégrale. Excellent. Eh, vraiment excellent. Ils sont fait plaisir niveau licence. 306 Maxi de 96. 96. Hein. Pas forcément la meilleure année, mais ils l'ont. Alors voilà. Donc, si Cayenne Turbo, si je la mise, ça fait 120 000. Si je l'achète, c'est 480 000. Par contre, faut que je mise 120 000 pour la débloquer. Hein. 120 000 pour la débloquer, ça fait mal au fion quand même. Hein. Bon, on va le tenter pour la vidéo, bien sûr. J'ai mieux de regarder avant, comme ça au moins. Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La GT4, la Stratos, la Ford Escort RS. Je sais pas trop ce qu'on pourrait tenter. Bon, la Stratos, ça reste quand même un mythique. Mais c'est pas la meilleure en stat, hein, par contre, direction. Allez, on va la miser. Ouais. On va essayer de la battre en duel, alors sachant que je ne connais absolument pas la voiture. Ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer. Ah ok, d'accord, donc en plus on part avec un... On part avec un handicap, c'est magnifique, c'est génial, merci le jeu quoi. Alors la Stratos. Oula. Ah, c'était pas visible. Hein. La Stratos a toujours été une voiture ultra difficile à manipuler. Et une fois de plus, ça déroge pas à la règle. Déjà ? Alors en fait, si j'ai bien compris, on avait deux tours. On avait deux tours à faire, mais comme je suis fini premier au premier tour, eh ben j'ai la Stratos. Alors du coup, ça me coûte combien? Est-ce que j'ai dû payer 110 000 et quand même garder la voiture en la misant? Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai quand même débloqué la Stratos. Donc je vais pouvoir faire le mode sport. Ce que je vous propose, on va faire une course du mode sport et puis on s'arrêtera là-dessus. On va faire une course. Voir un petit peu le niveau de difficulté et la vitesse des voitures contre nous. Terminer 4e vaut mieux pour débloquer une nouvelle course. One. Go. Ah, j'ai fait un super départ. Alors, le problème du super départ, c'est comme on se prend la voiture de devant, ben on n'a pas vraiment. On gagne pas beaucoup d'avantages. Oula. Attention. Bon, elles sont pas là non plus ultra rapides pour autant, hein. Elles sont rapides. Oh, j'ai eu le bronze. Ça sent déjà que ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, ils sont en paquet là, et du coup pour les doubler, c'est pas évident. Oh yes, on est bien passé là. Nickel. Oh, regardez. Oh, elle a fait n'importe quoi. J'ai quand même eu l'argent. Alors là, la voiture, elle a fait n'importe quoi. Oh, elle a fait 46 tonneaux, Lutz, triple axel, enfin, vraiment, c'est pas le truc que j'imaginais. On a le gold, quand même. On a réussi à avoir le gold sur au moins une partie. Bon, c'est quand même un peu plus rapide, c'est un peu plus difficile. Bon, je pense que à la fin dans le jeu vous allez toujours passer les replays parce que. Parce que c'est vraiment pas. C'est vraiment pas le truc le plus fun en fait. Enfin, au bout d'un moment c'est plus gênant qu'autre chose. Je me prends tous les murs. J'ai eu le bronze au même endroit.
Bon, je pense qu'il faut un peu plus réfléchir quand même maintenant, il va falloir recommencer à pas accélérer comme un bourrin partout. Et vraiment faire gaffe où on va. Je dis ça mais je le prends tous les murs. Hein. Par contre niveau choc c'est un truc de fou. Tous les chocs possibles, imaginables. Oh la vache, 1200. Oh, c'est dans les tours en plus. Et ouais, mais non. Ouais, par exemple, là, je l'ai passé le choc parce que ça. Ok, dernier tour. On va essayer d'utiliser un peu le frein quand même. Par contre, ce virage, je sais pas comment il est prenable. Hein. Je n'ai rien eu. J'ai tellement loupé que je n'ai eu que dalle. Alors je n'ai pas pris la meilleure voiture hein, pour faire ce mode là. Mais bon, j'ai quand même pris une voiture pourrie, hein. J'ai pas trop d'excuses non plus. J'arrête pas de prendre tous les virages. Hein. Je sais pas combien d'argent j'ai dû prendre en dommages. Je pense que j'ai dû prendre au moins 5000. 5000 de dégâts. Cette fois-ci, je me suis pas trop fait avoir dans ce virage. Le leader est vachement loin. Regardez comme elle est complètement démolie. Ça a rien changé dans ma conduite, mais franchement, niveau dégâts, elle a pris cher. On finit deuxième. C'était un peu inespéré. J'ai même pas réussi à avoir. Voilà. Élevé au niveau bronze, du coup, parce que bon, ça prend le plus bas. On peut recourir de nuit d'ailleurs pour faire d'autres points. Alors j'ai fait 15 000. Onde de choc, j'ai fait 15 000. Ça fait 30 000 gagnés. Par contre, je prends 8 000 de dégâts. C'est assez ridicule. L'avantage, c'est que je mets toi 100 000 en banque, donc je pourrais recommencer. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Vous avez compris le système. De toute façon, on va augmenter dans les catégories au fur et à mesure que l'on réussira à gagner les courses et de l'argent. Bah écoutez, c'est un jeu pas mal, mine de rien. Bon, c'est. C'est assez fun, mais c'est assez. Je pense que c'est assez redondant. Par contre, le fait de débloquer des voitures qui existent vraiment, qui sont quand même assez sympas. Je pense que ça va maintenir un peu l'intérêt du jeu pendant un moment. Donc voilà, je vous conseille d'essayer. Franchement, c'est un jeu qui est pas acheté loin de là. Et puis, ouais, les dégâts sont plutôt bien faits. Quoi. Regardez, même les reflets sur la vitre sont assez magnifiques. Bon, la 3D, après, on passera, mais pour la Play 2, c'est quand même cohérent. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.